Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Bénin Business 24. Bienvenue au 19h45, voici le sommaire. Si la gorge vous pique, vous gratte ou vous fait même tousser, sachez que vous souffrez là de l'angine, une pathologie due à 95% au virus ou aux bactéries. Comment le prévenir? Élément de réponse à suivre. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Et puis avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Mais quel est le profil à avoir? On en parle dans un instant. Depuis 2009, eh bien, les Nations Unies ont proclamé le 29 août comme étant la journée internationale contre les essais nucléaires. C'était à travers l'adoption de la résolution 6435 qui appelle à sensibiliser le public aux effets des explosions nucléaires et à la nécessité d'y mettre fin en tant que moyen parmi tant d'autres de parvenir à l'objectif d'un monde sans armes nucléaires. Si les essais nucléaires sont en diminution dans le monde, la course au désarmement n'est pas pour autant finie. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires conclu à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996, n'est toujours pas entré en vigueur car plusieurs puissances nucléaires ne l'ont toujours pas ratifié. Selon l'ONG Initiative pour le désarmement nucléaire, eh bien, entre 1945 et 2017, pas moins de 2476 engins nucléaires ont explosé dans l'atmosphère, sous terre ou sous les mers. Des explosions qui ont causé des dommages humains et écologiques irréversibles. Vous ne le savez certainement pas, eh bien dans 60 à 90% des cas, les maux de gorge sont dus à un virus. C'est le cas de l'angine, caractérisée par un mal de gorge important qui provoque la fièvre, les maux de tête et même des difficultés pour parler chez certaines personnes. Et sans traitement spécifique, cette pathologie peut entraîner des complications. Détail dans cet élément. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent. Et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même, ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine, ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine maltraitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine maltraitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité.
Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Eh bien, les médecins le recommandent souvent à la nouvelle maman. Mettre son bébé au sein juste après son accouchement, l'allaitement maternel, puisque c'est de ça qu'il s'agit, serait un moyen sans égal pour fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, cet acte aurait des répercussions importantes sur la mère, sur la santé de la mère, j'allais dire. Suivons les détails en cet élément. L'allaitement. Source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente. Mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant. Et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Pour réussir dans la vie, eh bien, certaines personnes font recours à un coach motivateur virtuel ou physique. Ces personnes dont le travail est d'offrir un accompagnement personnalisé pour améliorer les compétences ou la performance d'un individu. Les qualités d'un bon coach, c'est dans cette interview. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre cliente griffe qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur un homme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité d'intégrité.
Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui réponde à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. En Afrique, la vaccination contre le Covid-19 reste très inégalitaire. Si la plupart des pays sont désormais entrés dans la danse avec des campagnes nationales de vaccination grâce aux mécanismes COVAX et autres, l'on est encore loin d'atteindre l'immunité collective. Constat ici avec nos confrères de France 24. Dans le monde, 140 pays ont vacciné au moins 10% de leur population. Ce n'est pas le cas du continent africain, où seuls 4 des 54 États ont atteint cet objectif selon l'OMS. La République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Nigeria et l'Éthiopie sont parmi les moins vaccinés de la planète. La crise des vaccins illustre la principale faiblesse à l'origine de la pandémie, le manque de solidarité et de partage au niveau mondial. L'OMS a d'ailleurs appelé au développement d'un traité pour améliorer la coopération entre les États. Cette idée, c'était pourtant l'objectif du dispositif COVAX mis en place par l'OMS, pallier les inégalités par des dons d'argent ou de doses de vaccins de certains États aux pays les plus défavorisés. Fin juin, COVAX accumulait déjà des retards considérables, en cause la dégradation de la situation sanitaire de pays donateurs, comme l'Inde notamment. Le dispositif COVAX a livré 40 millions de doses de vaccins aux pays africains. Ce n'est qu'une fraction des doses nécessaires pour protéger le continent contre les risques de maladies graves et de décès liés au Covid-19. Actuellement, à peine un tiers de la population mondiale est primo-vaccinée contre le Covid. Un chiffre qui illustre une campagne à deux vitesses, alors que plusieurs pays ont déjà commencé à administrer une troisième dose. À ce jour, trois pays n'ont toujours pas démarré leur campagne vaccinale, le Burundi, l'Érythrée et la Corée du Nord. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.